qui ils ont fait la partouze à l'hôtel là-bas à Paris dernièrement. Parce que c'est un couple de partouzeurs, de partouzes, les partouzes de ça. Donc, je ne sais pas si elle est déjà rentrée du travail. Elle avait un mot à dire parce que les odeurs que dégageaient les Mambindi de ce chien, c'était vraiment déplorable. Elle me dit qu'elle se lave, qu'elle n'a jamais pensé. Avant qu'elle ne rencontre le couple là, elle n'a jamais imaginé qu'elle allait faire le Jiangsan dans sa vie. Mais après avoir rencontré ce couple dernièrement à l'hôtel à Paris, après cette partouze dégueulasse, un homme, on dit, on suce la lentotte, on suce, on suce, mais lui, il la paie. Elle me dit que le gars l'appelle et crache, mais il m'a. Donc elle dit que il est inondé mentotte des crachats. Inondé mentotte des crachats. Oui. Un homme qui est excité quand seulement quand il voit ces ténèbres qui le sert de femme là, en train de laper une autre. On suce une totte. C'est pour cela qu'il y a l'haricot là. C'est pour être sucé. C'est le bonbon. C'est le bonbon. C'est le bonbon, ce n'est pas. Tu vois que ça confirme toujours que le boulot là, c'est vraiment ton frère consanguin. Vous êtes de la même famille. Son but, une banque de plus dure. Qu'est-ce que tu me demandes comme ça, Julie? Une banque de plus dure. Vous voyez, comme il était gros avant, il se versait comme moi, quand il s'asseyait, il se versait comme ça là. Comme le Covid l'a un peu fait maigrir là. Même le truc est devenu faible. Il bande de moumou. Il bande de moumou. Donc maintenant, son plus grand plaisir, c'est quand ses ténèbres qui le sert de femme là, passe le temps à la paix. C'est ça. On dit, on suce l'entente. Toi, tu pars inonder l'entente de la fille d'autrui avec tes crachats et les odeurs. La fille dit que, mais, Lydie, elle me dit que Lydie, maman, les gens qui font le Njangsan là, les hommes font le Njangsan, pourquoi? Elle dit que Lydie, il fallait voir les mambidis noirs. Ça pendait comme ça là, comme la crèche d'un vieux coq. Ça pendait comme ça là. Il dit qu'il est excité. Tu vois, le truc se lève, ça fait comme ça là. Comme un canard boiteux, il faut qu'il arrête avec la main. Il essaye de tirer un peu la peau là en arrière, comme ça là, pour essayer d'entrer dans l'entente. C'est déjà fatigué. Même qu'il est excité, elle mambindi, les vieux mambindi rassis là, comme ça. Et là, ça pongo, c'est les vieux coqs du village là, non? Qui ont les crèches là, qui pendent déjà comme ça là. C'est comme ça. Elle me dit que ça sentait. Ça puait, oh mon Dieu, avec les cheveux blancs sur ça. Elle me dit qu'au bord comme ça, là, au bord des cuisses comme ça, là, au bord des mambindis, et tu vois la peau, il se pèle, là, il y a la peau qui quittait. Quand il a levé le caleçon, il avait déjà transpiré à l'intérieur, c'était mouillé. La sueur, ça sentait. Malgré qu'il entre dans la douche pour dire qu'il s'est versé, il est sorti, mais l'odeur, elle me dit, Lydie, jusqu'aujourd'hui, je me lave 6 fois par jour. J'ai commencé à utiliser les produits, toutes sortes de produits pour enlever, pour dégager cette odeur de mon corps. Quand je passe en route, on me regarde, j'ai l'impression qu'on sent toujours l'odeur là sur moi. C'est terrible ça. Et c'est toi qui viens t'asseoir, traiter les gens de sales. Il y a plus sale que toi. Tu étais propre, pourquoi te décaper la peau, monsieur? Tu n'es même pas monsieur. Le truc, c'est que il n'y a aucune race qui t'accepte. Le genre de féminin, on t'a rejeté. Toi, tu dis là que. Je vais un peu laisser la cigarette là, voilà. Il faut que je me concentre. Il faut que je me concentre. Attends. Je dois prendre une grosse gorgée. Je suis un peu grippé, vous allez m'excuser. Voilà. Quand tu viens dire que tu viens insulter les femmes, tu dis à Marthe Chopin qu'elle est sale.
Ah, les photos qu'on a postées quand elle farotait tes enfants, tu ne savais pas que c'était un agent d'une femme qui était sale? Donc tu es mendiant comme tous ceux qui t'entourent. La mendicité, c'est quelque chose. Donc revenons sur l'histoire de la fille qui était à l'hôtel avec lui et son attroupement pour la partouze. La fille dit que, merde, le ventre du monsieur là, quand vous voyez, il se place là pour faire le direct. Si vous regardez, il est toujours comme ça. Parce qu'il arrête la respiration. Parce que si il lâche, donc, pas qu'il arrête la respiration, il maintient son ventre pour qu'on ne voit pas que ça tombe. Comme il a maigri là, ça tombe. Elle me dit que tu soulèves le ventre comme ça, tu commences à te ventiler avec. La peau du ventre là. Tellement c'est fatigué, ça a lâché. Et tu soulèves comme ça là pour te ventiler avec. C'est pour cela que vous voyez, il est en direct, il porte toujours les hauts qui sont mollants, qui le servent. Et il tient toujours son ventre comme ça, il parle, et il est prêt à avoir l'AVC. Parce qu'il ne peut pas se montrer normalement. Mais montre-toi au moins sa Bermuda. Tu es quel genre d'homme qu'en été, tu as toujours les tennis aux pieds. Tu ne portes pas les sandalettes des hommes là. Tes pieds là, tes parties d'opposition là. Hein? Quelqu'un qui est là, Coca Fanta, multicolore, arc-en-ciel. Tu es là comme la vache qui rit. Avec les taches noires, blanc, sans oublier les cicatrices, avec ta blessure inguérissable là. Donc la fille dit que, elle arrive à l'hôtel, elle trouve un monsieur et ses ténèbres qui le servent d'épouse, qui sont, elles sont assises, elle a, ah, bienvenue, tu veux manger. L'autre, Natokma avait déjà porté les sous-vêtements, et j'ai, lui il était assis là comme ça, ah, le boss, hein, il prend le posté et tout. Envoyez les cœurs, hein, vous me conquérez un peu les têtes de moi là, je vais les bloquer après. Et quand on lui propose à boire, il commence à boire et tout. Le monsieur lui dit, viens me faire bisous. La fille dit que c'est au moment là qu'elle a d'abord compris qu'elle est en danger. C'est là où elle a compris la théorie de danger de notre cher entraîneur national. Voilà. Elle dit, quand le monsieur avait comme ça là, pardon, excusez-moi, elle est poussée. Maman, la grippe là. Elle dit que quand le monsieur avait. Elle dit qu'elle a failli tomber. Elle a failli tomber. Elle était obligée. Elle a aussi fait, en arrêtant la respiration, elle a fait le bisou. Elle a fait genre un instant. Elle est partie, elle a pris son sac, elle est entrée aux toilettes. Elle a pris le bonbon mentholé là, le mince. Elle a mis dans sa bouche, commencé à sucer pour contrecarrer les odeurs. Un homme qui a la carie dentaire dans sa bouche. Dites-lui d'ouvrir sa bouche largement comme ça là. Ah, comme moi je fais là. Vous allez voir les dents qui sont ici là. Elle dit que c'est nous à la carie dentaire de ça. La carie dentaire de ça. Elle dit l'odeur qui est sortie de sa bouche. C'est pas comme pour les grands-pères qui sont dans les maisons de retraite là. Elle a dit que ah, elle est venue chercher son argent. Elle va faire comment? Elle va serrer le cœur. Mouillé, c'est mouillé. Maintenant, elle est la bordelle là, de la Natokma là. Elle commence des attouchements. Hein? Maman, elle dit que quand la Natokma a enlevé le soutien. Matangombe, elle a vu les languettes, les babouches déjà bien usées. Donc, que les louets de Natokma là, non? Les ballons qui sont devant là, tu prends, tu lances comme ça derrière le dos, l'enfant accroché au dos, l'enfant tête. Vous voyez, les soutiens gauche nous sauvent. Et elle me dit que, hey, les jeux cassables là, les fantasmes de ce parc caribou, le générique de Maboya. C'est fantasme, c'est que, donc il entre dans la douche, il revient, il porte le même bonnet de sa bordelle de femme de Natokma. La reine des Waka, il porte. Elle m'a donné la taille. Attendez, j'ai noté, je parlais avec elle, j'ai noté. Elle m'a donné la taille, le 80B, la taille du bonnet que sa femme porte. Le 80B, et lui-même, il porte ça parce qu'il a... il a les trucs tellement, les hommes ont déjà trop têté ça. Il aime quand on le caresse, le fendu arrière là, elle caresse, elle met un peu les doigts. Non, elle avait un gode là, un petit gode là que, hein, ça, elle truquait comme ça, le gars,
Il gémit comme un chien. Mais c'est dégueulasse, mon frère. Tu es propre avec quoi, dis donc. J'ai dit, elle m'a dit que quand elle va lancer mon direct, hein, si elle est déjà rentrée du travail, elle va venir témoigner. Maintenant, le gars est dans la douche. Quand il se déshabille, elle voit le caleçon mouillé, la sueur, les bords là, comme ça, non? Le derrière là, c'est aussi mouillé au niveau du fangu là. Elle s'est dit que où c'est la sueur, où ça a seulement coulé, où ça a seulement yo. Elle ne savait même pas. Je dis, connaissez-vous, pardon. Partagez. Parce que sinon, moi, je n'aurais plus parlé. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas le désordre. Partagez. Il prend la serviette. Elle voit le ventre qui tombe comme vroom. Hein? Elle voit que yay. Ça, là, on a man, on a woman, this one. Elle dit que le ventre du générique de Maboya là, le père qui se lave avec le caribou là, elle dit que tu prends le ventre, tu soulèves son ventre comme ça là, tu te ventiles. Les mamelles de son truc de femme là, tu lances derrière le dos comme ça là, tu as l'enfant attaché au dos, tu lances seulement comme ça là, l'enfant prend une tête. Déjà fatigué, usé, froissé. Ils ne font même jusqu'à parler, les crachats sautent. Oh! C'est une histoire vraie, hein, Cindy Fox. J'ai parlé avec la fille. Voilà mes notes que j'ai fait. J'ai parlé avec la fille. J'ai noté sur les. J'ai noté. Elle me racontait l'histoire. Ah, j'ai noté. On va aller point par point. Oui. Maintenant, il entre sous la douche. Il fait du. Il sort. Il prend le parfum. La fille se dit dans son cœur que ah, peut-être même le parfum là va tuer les odeurs. Il dit alors, il se verse sur le lit, broie. Matin, comme il se verse là, un côté du ventre fait un vion, l'autre fait un vion, les pouces, les seins, ou c'est les pectoraux, puisqu'il a même la même épaisseur de seins que moi là. Maman, elle voit seulement comment les trucs se deviennent. Donc ça se couche comme ça là. Ça lève les mains comme un canard qu'on a en train de briser au four. Comme ça là que... Maman, tu cherches le téton, tu ne vois pas. Le téton disparaît, ça se déblasse quoi. La fille est concentrée, elle dit seulement que... Hey, elle va elle que chercher son argent. Elle dit que... elle serre le cœur. Maman, 500 euros c'est petit. Pour une nuit, pas 12. C'est même pas seulement comme si c'est elle qu'on va combo, on va aussi combo, il va aussi combo sa femme, donc ça sera équilibré, elle serre le cœur. Ah. Maintenant alors, le monsieur écarte les jambes. Nge Ezakom vient chanter sur le micro. Aïe. La fille dit que, vous voyez quand on prend la canne à sucre, on tape, ça devient plat comme ça, la pompe, et tu disais ça comme le balai. Les feuilles mortes de manioc là. Que le truc là était couché comme ça là. Des mambindi de l'autre côté comme ça. Les a fatigué. Et les entrejambes maintenant blancs avec la peau qui quittait. Donc voici les mambindi. Et ici là, les entrejambes là, aux alentours là, la peau quitte. C'est blanc, la peau quitte. Hey! Oh, palo! Envoyez le cœur, il y a les petits zozos là qui envoient les têtes de mort, il est bloqué après. La fille a crié que, Adama, c'est l'agent de quoi? Elle fait ses cheveux comme ça. Elle fait comme ça. Elle dit que, Seigneur, je fais ça pour ma famille, oh. Les pauvres enfants qu'elle laissait en Afrique, oh. Et Boza, je cherche l'argent pour les faire venir. Elle me dit que, Lily, quand j'ai baissé la tête, pour prendre la feuille morte là, mettre dans ma bouche, pour qu'elle puisse avoir une sensation, et soulever un peu la tête comme le cobra. Hey, ma soeur, les odeurs! On dirait qu'il avait chié, ça faisait 2 semaines, il n'a pas lavé les fesses. Je ne pouvais pas te dire, je ne connaissais pas où l'odeur venait, oh. Si c'était de son fondu arrière, oh. Ou si c'était de son bambindi, oh. J'étais de pasteur, il dit, j'ai commencé à parler à ma langue maternelle. Il me dit que quoi? Tu es en train de dire quoi, traduit? Il dit que non. Quand moi je suis excité, c'est comme ça qu'elle parle. Oh. Je parle ma langue maternelle. Moi, je ne peux pas te traduire. Elle dit qu'elle a commencé à. She was speaking in tongue. Pardon, connectez-vous, je veux le nombre. L'affaire, elle me dépasse.
Eh ouais, la grippe ne va pas me combattre aujourd'hui. Je vais faire mon direct. Aïe. Aïe. Elle me dit, Lydie, le monsieur là, il sentait comme une viande de brousse en plein troisième degré de décomposition. Où il avait déjà fait combien de semaines, il chien ne l'avait pas se fait ça. Où la dernière fois que c'est Mambidjan avait vu l'eau, je sais quand moi il ne savait même pas. La fille de tout était dépassée. Elle me dit, Lydie, j'ai commencé à pleurer. Je mets le truc dans ma bouche en bloquant la respiration. Je souffle, j'envoie à gauche. J'envoie à droite. J'essaye même de mettre dans la gorge. Le truc est toujours là comme cela. Molle, molle, poto, poto, comme pioc, 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 pioc. Même après 30 minutes, c'est toujours là comme molle, molle, comme ça. Pioc, 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 pioc. Elle me dit, Lydie, ça m'a dépassé. Après, le monsieur se tourne. Maman, à partir d'ici, hein, envoyez les cœurs. Attendez un peu. Elle voit comment faire avec les têtes de mort là. Sur le téléphone, je ne sais même pas si le Facebook l'est dessus. Attendez. Maman Zara. Pardon. La fille me dit que Lydie. Le dimanche s'est mis à cheval. Il dit que bon. C'est facile que je les cite pour que son truc se lève. Mais pour ça, hein, il va falloir que je caresse le fendu arrière. Même après 30 minutes, c'est toujours là comme molle, molle, comme ça. Joue le direct, c'est pas le direct que tu vas jouer. Attends, je vais un peu voir les gens qui envoient un peu les têtes de mort. On va un peu les envoyer chier là, vite fait. Ils sont combien? Ils ne sont que 9. Donc, on fait ça. Non. Oui. Toi, tu lui as envoyé les têtes de mort ici, là, avec, avec la photo de Poutine. Je suis pro-Poutine, hein. Voilà. Il faut entrer à tout moment, mon frère. C'est le travail. C'est tout un travail. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas... Ça va me faire sortir de mon direct. Donc, envoyez juste les cœurs pour contrecarrer les têtes de mort. On va les bloquer après. Quand le monsieur lui dit ça, la fille dit que yeah, elle regarde la femme. La femme dit, ah mais oui, vas-y, je sais que mon mari aime, tu vois. Donc, pendant que la fille est courbée, en train de, hein, de sucer les vieux trucs rassis là, elle me dit que Lydie, c'est Mambidi pendé là-bas en bas comme la crèche, on appelle ça quoi, la crèche, non? D'un vieux coq, les vieux coqs du village qui sont déjà fatigués là. Tu vois, la crèche là, ça pend comme ça, déjà fatigué, ça a lâché. Ça balance comme ça là, elle me dit que c'est comme ça que les vieux Mambidi là pendent. Ça, donc c'est tombé comme ça là, comme vieux, ça pend là-bas comme ça là, comme ça là. Donc quand le monsieur maintenant se met à cheval, il y a un deuxième problème, ou ce troisième problème. Attendez, je vais lire, parce que là aussi j'ai noté. Elle me dit, Lydie de Jésus, quand il s'est mis à cheval, le ventre s'est versé là-bas comme cela, comme vroom. Donc, elle me dit, quand je te dis, on soulève la peau de son ventre là, on se ventile avec, c'est tombé là-bas devant comme ça, comme vroom. Les mambidin, la feuille morte qui sert de mbangla. Et maintenant, il se met comme ça. Il dit que, écarte mes fesses, tu me lèches le fendu arrière. Elle me dit qu'elle lui dit, ses fesses ont les vergetures. Un homme qui a les vergetures aux fesses comme une femme. Ouya, jobbele, zamba, majona. Je n'ai jamais vu la qualité là, ma soeur. À cause de ce monsieur-là. La crête, ok, merci. Elle me dit que... Lydie, à quoi tu coupes là, je devais pour le piment. J'ai donné ma vie à Jésus. Tu connais un pasteur, je l'ai envoyé chez un de mes pasteurs là. Elle dit que l'homme là, les vergetures commencent à l'entrée du fendu arrière et puis maintenant ça prend tous les fesses comme ça là. Hey, yeah.
Et regardez ce qui vient traiter les gens de sale. De Nurabibor. Alors où Yebeba, tu es vilain. Tu es moche. Tu es dégueulasse. Regarde comment ton corps est fatigué. Ça a lâché tout ça pend là-bas comme ça. Là, c'est lolo comme bloc, 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 bloc. Raison pour laquelle, même dans ton main, si tu as bina, tu as l'ambina comment? Raison pour laquelle tu es obligé d'aller faire les trop vitraux pour avoir les jumelles. Pardon. Pour avoir les jumelles là, il faut dire la vérité. La fille me dit que, il dit, oh, papa, elle me dit, il faut qu'on apprenne les hommes à faire l'hygiène. Elle lui dit que comment ça? Elle me dit, mais un monsieur qui veut qu'on suce son fendu arrière, mais qui ne sait pas que quand il part moto, il faut qu'il envoie le doigt dedans pour laver. Donc moi, il me demande de sucer, d'envoyer mon doigt, d'envoyer ma langue, pour que ces vieux caca qui ont déjà séché là-bas au bord, comme ça, là. Les vieux caca qui ont séché au bord, là, comme ça, là, les tis, c'est dans ma bouche, ça va. Il ne va plus vendre les piments. La fille est toujours à pleurer. Maman. Ça y est, me pitié de l'eau. Oh, papa, 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 papa. Je vous en suis. Ça y est, pitié d'elle. Elle dit que maman, j'ai pris les lingettes. Elle lui a dit qu'attends, il y a un truc là, je nettoie un peu. Il dit, vas-y. J'ai pris les lingettes, lui dit. Eh, papa, quand j'ai pris les lingettes, j'ai roulé comme ça sur mon doigt. J'ai tué comme ça là pour nettoyer. Ah, il dit, il y avait les vieux caca sec, 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 qu'ils ont, qu'ils ont collé sur les lèches. Mais, on fait des sales comme ça là. Et qui est le père si caribou que tu te laves avec là, ça n'arrive pas là-bas. C'est toi qui viens traiter les gens de sale. La fille là va témoigner ici là. Yougosifaya. Elle dit qu'elle dit, les caca, les vieux caca qui ont séché là-bas là, ça a collé comme ça là sur la lingette que bois. Imagine alors l'odeur. C'est là où j'ai dit que, pardon, partez avec vos sincères, parce que alors sinon, ça ce n'est pas bon pour ma santé. Et il y a les grosses fesses comme ça là. Le barret noir. Le fendu arrière noir. Le corps maintenant, même le teint n'est pas uniformé. Il est là comme la vache qui rit. Blanc, noir, blanc, noir. Les taches blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Elle me dit que ma soeur, j'ai essayé, n'est pas pu supporter. Ils ont commencé à négocier avec moi. Il me dit, bon, dans ce cas, est-ce que ça me dirait de faire des attouchements avec sa femme, sa femme et moi, on se caresse, on s'embrasse, on fait l'amour, et lui regarde, ça va lui permettre de se masturber et tout. J'ai dit bon, je ne m'étais pas encore trop rapproché un peu de la femme en dehors des languettes là, les mamelles que j'ai vues là qu'on prend comme ça, on en lance au dos, l'enfant attaché sur le dos, l'enfant attrape ça seulement là-bas derrière, comment ça se sort. Socor, socor, socor. Je n'avais encore rien remarqué de mauvais. Je dis, hein, ma chérie. Voilà. Donc maintenant, on va un peu avancer un peu. Sur Natongma. Vous savez, je n'ai pas mis mes lampadaires. Parce que moi-même, je porte les lampadaires. Qu'il doit conduire les mains. Les lampadaires. Envoyez les cœurs. Hein. Faut pas qu'on signale. Bon, voilà. Là aussi, j'ai fait les notes. Hein. Voilà. Donc, elle me dit, il dit de Jésus, ma sœur, si tu es debout, c'est l'heure de t'asseoir. Je dis, je suis même déjà assise, parce que ce que tu me racontes depuis là, ça c'est digne d'un film de Ipendoti Isakam, Level Carnivore. Je me suis retrouvée en train de parler en toutes les langues. Elle me dit, au début, je n'avais que remarqué. Des parties de quoi? Des gaz. Non, attends, ne sois pas pressé. C'est beaucoup. Vous allez faire m'embrouiller.
Excusez-moi, maman, je suis grippé, moi. Voilà. Elle me dit, envoyez les cœurs, il y a les zozos là qui envoient les têtes de mort. Tu es concaré. Bloquez-moi les têtes de mort là avec les cœurs. Inondez ça avec les cœurs, avec les cœurs. Elle me dit, Lydie, pour la femme, tout ce que j'avais remarqué, c'était les mamelles. Les languettes fatiguées, fatiguées, comme ça, la froissée, on dirait. Les vieux qui sont dans les maisons de retraite où les visages sont déjà froissés comme ça, là, non. Comme le papier, tu as pris, tu as froissé, froissé. Tu ne peux même plus repasser pour que ça devienne lisse. Donc, les trucs là, ça balançait comme ça, là, dans, comme ça, grâce. Donc, quand elle enlève son, elle a dit bonnet taille quoi là. Bonnet 80B. Quand elle enlève ça, donc tu vois, Natogma roule. Roule ses mamelles, elle roule. Elle roule, elle met dans le bonnet. Maintenant qu'elle enlève, ça fait vroup. Voilà ça qui est versé. Elle me dit que ça arrive au milieu du ventre de Natogma. Bon, elle s'est dit que comme Langa est d'abord une ancienne Waka, et en plus elle a accouché, excès de sucement, hein, c'est ça qui a fait que c'est devenu comme ça, ça peut arriver à toutes les femmes. Donc, elle n'a pas pris ça comme un très grand problème. Voilà. Donc, elle me dit que Langa roule. Elle a roulé les ouais là, mettre dans le bonnet. Et qu'elle a levé le bonnet, ça fait. Ça s'est versé. Bon. Maintenant, elle me dit que c'était le seul truc que j'ai remarqué au début. Mais, quand on arrive maintenant au niveau des attouchements. C'est la laine de sa bouche. Je ne peux pas te dire grand chose puisque comme j'avais mis le bonbon mentholé dans ma bouche, quand elle ouvre la bouche, j'ouvre la bouche au même moment. Je me suis dit, ah, sûrement, il n'y a aucune odeur. Mais j'ai remarqué quelque chose sur sa langue. Quand elle ouvre la bouche largement comme ça là, pour prendre mon sein pour mettre dans sa bouche, tu vois qu'au fond de la langue là-bas, c'est noir. Elle dit, hein? Comment ça? Attendez, oh, la grippe, tu veux me faire un ginja là. La grippe, tu veux me faire un ginja là. On va pas accepter ça. Voilà. Sorry, oh. Sorry, Lydia. Là, on va arriver. Tout doucement. Je vais arriver, j'ai le temps. Elle me dit que la langue de la go, donc elle fait ça. Hein? Là-bas, là, en allant vers la gorge, c'est noirata, c'est salotologue. Bon, elle s'est dit que, ah, tant que elle, sa langue ne va pas arriver là-bas, ça va. Maintenant, elle voit une femme qui a un teint blanc, puisque elle-même, c'est déjà Vélise avec le caribou et sa lotion, ma boya, là. Donc, monsieur Bouledoc est le générique, parfait pour ça. Il nous montre bien que leur crème Maboya là ne fonctionne pas bien. C'est pour cela qu'il est multicolore en cassiel. Elle me dit que ma sœur, quand elle a ouvert les pieds, j'ai porté mes habits, je suis sorti, je suis allé m'habiller au couloir de l'hôtel là-bas. Elle dit qu'elle est là, bêta, adai, pauvre. Donc mieux je meurs pauvre, mais avec ça là, j'ai dit, hein, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Il y a les gens là qui envoient les têtes de mort. Elle me dit, Lydie, tu vois un gros escargot comme ça là. Vous connaissez les gros escargots sauvages là. Que Lydie de Jésus. Tu vois le gros escargot sauvage là. Et maintenant les lèvres là. Elle me dit, ma sœur, les lèvres elle était fatiguée. Ça ne pouvait plus regarder l'ouest ou bien l'est. Ça ne regardait que le sud. Comme ça là. Ça baissait la tête. Ça faisait salam alaikum. Malaikum salam. Ça baissait seulement la tête. Elle me dit, fatiguée, épuisée, utilisée. J'ai dit, ça ne regardait plus l'est ou bien l'ouest.
ça regardait seulement le sud. J'ai dit, hey, c'est encore quel genre de lèvres ça, non, ma soeur? Quelqu'un, tu m'expliques là, moi, je ne comprends pas, tu veux m'embrouiller ou quoi? Tu es sûr que c'est ce que tu as vécu, me dit Lydie. Je te dis qu'à l'heure actuelle où je te parlais là, moi, j'ai arrêté la vente du piment à cause de ce couple-là. Quand vous entendez l'affaire ici, là. Elle me dit, et l'haricot alors? N'en parlons plus. Déjà, l'haricot n'est pas entier. C'est déjà français, c'est divisé en deux. Donc, l'haricot, les deux, ça a la même longueur que les lèvres. Quand tu vois tout ça là, en train de regarder le sud, en train de prier, Masalam alaikum, alaikum salam, tu ne connais pas ce qui est l'haricot, ce qui est les lèvres. Tous les deux, tous les trois trucs déjà usés, en phase de décomposition, fatigués, ça a lâché, c'est là comme ça là que, hein? Tu fais comme ça là, ça fait... J'ai dit, ma chérie, vous-même là, vous aimez les choses. Hein? Vous cherchez les choses. Donc, ça, c'est le témoignage d'une, de la fille avec qui ils ont fait les partous. Ils voulaient faire la partous l'autre jour à Paris, là-bas, à l'hôtel. La fille dit que Lydie, j'ai fui. Que j'ai fui, Lydie, j'ai fui. Je suis sorti en courant, je me suis habillé au couloir là, de l'hôtel. Donc, monsieur, vous voyez déjà que. Vous venez insulter les gens du sale. Plus sale que vous, il n'y a pas. Vous avez fait trois mariages avant votre quatrième que vous êtes où vous êtes maintenant. Pourquoi vous n'avez pas fait les enfants? Vous venez faire les enfants à votre troisième âge. Quand les hommes de votre âge partent récupérer les arrière-petits-enfants de la maternelle ou de l'école, c'est là où vous amenez pour vous les nourrissons à la maternelle, les nourrissons à l'école. Donc quand votre vie sera 16 ans, vous aurez 70 ans, votre ngengero raté là. L'entote ou l'entote de Natogma, tellement ça a été usé et son mari lui-même nous explique ici dans un direct que vous allez écouter tout à l'heure combien de fois la vieille trouille hein, s'est fait utiliser par des hommes qui étaient bons et ceux qui étaient mauvais au point où Santote est devenu comme l'axe lourd. Douala Yaoundé. La reine mère de Waka, c'est toi. Elle a connu son blanc qui l'a caolotisé là où? Ce n'était pas dans les maisons closes ici en Allemagne où elle travaillait. C'est là-bas qu'elle a rencontré ce vieux blanc. Je vous dis, chers frères et sœurs, cette fille, elle est arrivée ici en Allemagne. Elle travaillait dans les maisons closes. Elle a rencontré un vieux blanc qui l'a caolotisé. Entre temps, femme indigne, quand on dit une femme est sale, elle est mariée, au lieu de respecter son corps, garder ça pour son mari, de un, elle continue à faire le waka, et de deux, elle continue à coucher avec son amour d'enfance du pays, qu'il avait même abandonné au pays, pour venir faire sa vie en Europe. Ça, c'est lui-même qui explique, on va décortiquer hein, ensemble. Voilà. Une femme qui commet de l'adultère, une femme adultérienne, elle est digne avec quoi? Mon mari me dit toujours, le jour tu fais toutes tes bêtises là, on peut toujours te pardonner, on va s'arranger. Mais le jour où tu vas oser partir, ouvrir tes pieds là à un autre homme, le jour là, même si tu veux, fais-moi même sans enfant. Je ne vais plus te regarder. Quand elle va me tourner, elle est partie là. Elle sera à Dongo Bidak parce que je ne couche pas avec les putes. Je ne couche pas avec les bordels. Une femme qui commet de l'adultère n'est plus digne d'être une femme. Et toi, tu viens exposer tes ténèbres qui te servent de femme sur les réseaux sociaux en nous disant combien de fois elle a été adultérienne. L'engafé, elle porte la grossesse. Elle cache d'abord bien, 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 bien. Après qu'elle n'arrive plus à cacher, elle dit à son vieux Watt qui l'a caolotisé que elle va partir go accoucher au Cameroun. Elle quitte, elle part accoucher en France avec les papiers d'une autre fille. Elle n'accouche pas avec ses papiers. Et après, elle revient, elle manque au vieux blanc que l'enfant est d'ailleurs. Qu'elle a fait un mort-né.
ou un nez mort, je ne sais pas comment vous appelez ça. Le blanc l'a cru. Le blanc l'a cru. Il s'est dit que l'enfant est mort. Elle continue à faire ses ébamba. Allemagne, France, Allemagne, France. Allemagne, France, Allemagne, France. Elle continue à faire ses ébamba. Jusqu'au jour où le père de l'enfant fait exploser la vérité au monsieur. Elle commence à raconter les histoires que oh, le gars la menace, le gars a fait le chantage et tout, et tout, et tout. Cette Natokma là, la star de Maboya, la star de générique Maboya, cette femme indigne, la reine de Waka, il faut comprendre qu'à 14 ans, elle avait déjà un enfant. Donc à 17 ans, quand le père de son premier fils l'a connue, elle avait déjà un enfant avec elle. À 17 ans, donc 18 ans, voire 17 ans, c'est les 10 de son mari, hein. Elle a quitté la maison de ses parents à Edeya pour aller rester dans la maison d'un gars qui lui est déjà lui parti en Europe pour s'occuper de la maman du gars. Vous voyez la bordelerie d'une femme? Donc, selon lui, selon ses dits, cette femme a commencé même à Mougou à partir de l'âge de 12 ans, 10 ans. À 17 ans, elle avait quel âge? Qui vient nous dire quand elle dansait à la cité Sikam? Elle avait quel âge? C'est une ancienne danseuse. Hmm? C'est pas possible. Alors, toi qui viens dire, tu viens dire qu'une droguée. Toi qui es un tireur de foufou, mon frère. Tu trafiquais même le foufou en Suisse, toi? Les filles qui vendent le piment là-bas en Suisse, qui les livraient le foufou, ce n'est pas toi, monsieur Boulodoc. Tu veux aussi que les filles là viennent témoigner. Tu partais, tu achetais le pu, tu viens, tu mélanges, tu écrases les paracétamol ou bien l'aspirine. Tu mélanges, tu dilues ça pour avoir plus d'argent. Ça a commencé à les déranger. Elles t'ont menacé qu'elles vont te signaler. C'est là où tu as arrêté. Toi, tu ne consommes pas ça jusqu'aujourd'hui. C'est pitoyable, hein. C'est vraiment pitoyable. Vraiment. C'est vraiment pitoyable. Mais bon, quand tu es là, quand même quand tu chies même, tu n'arrives même pas à nettoyer tes fesses. Tu n'arrives pas à nettoyer tes fesses. Tellement c'est devenu lolo comme tu as maigri là. Tout tombe comme s'il faut que tu enroules ta paire de fesses. Tu enroules, tu prends la paire de fesses, tu enroules comme ça là. Tu tiens avec une main et puis tu cherches. C'est pour cela qu'il y a les caca qui restent dans ton fendu arrière, que la fille là, prenant la lingette pour nettoyer, elle a trouvé les caca secs là-bas. Elle a trouvé les caca secs là-bas. Non, on a dit, j'ai pris les notes. J'ai pris les notes parce qu'elle parlait avec la fille là. J'ai dit, je notais, j'ai pris les notes, je notais. Mais là, je vais faire une petite pause parce que comme je suis un peu grippé, ma gorge me dérange. Maintenant, voici, nous allons écouter ensemble. Je ne sais pas si je vais mettre. Non, je pense que je vais déconnecter le baffle. Nous allons écouter ensemble. Maintenant, je vais le fouetter. Ça, c'était l'entrée, en fait. Hein. C'était la présentation de la personne, du personnage. Hein? Voilà. Donc, c'est maintenant que le direct commence, non? Voilà. Parce que parfois, c'est souvent bon de fouetter quelqu'un avec son propre fouet. Mm-hmm. Voilà. Après, on va passer sur certains voix. Hein? Voilà. Donc, vous allez me dire si le volume est bon. Parce qu'au fur et à mesure qu'il va parler, on va décrypter. On va faire le décryptage. Vous savez. Information. Encore moins dans la haine ou dans l'aigreur. Regardez mon tiro, c'est lui qui parle. L'homme peut penser n'importe quoi de toi. Il n'y a pas quelqu'un qui parle à sa place. Tu sais ce que t'es. C'est lui qui parle. C'est le plus important. Il faut pas. Donc nous allons écouter comment il nous parle non, du Waka. Quand
de son, ça, ma boyade épouse. Vivez par rapport à vous. Si le volume, si vous, vous écoutez, le volume est bon. Pas multicolore, pas arc-en-ciel. De Madame Messon. Oui. Le volume est bon. J'en ai toujours parlé. Où je mets le bas, c'est assez spécial. Parce qu'elle fait partie de ces femmes que certains individus. Vous entendez quelque chose où je mets le bafle? Parce qu'il m'est difficile de prononcer les gens, les noms de ce genre de personnes. Je crois qu'on n'a plus. Oui, Patou est bon, c'était seulement l'introduction. Quand on a perdu sa morale, on a tout perdu. Je mets le bafle. Parce que l'homme, c'est sa morale. L'homme, c'est la morale. Et la morale, c'est quoi? C'est le respect de la personne que tu as en face. Oui. Ah, je mets le bafle. Vous n'entendez pas bien, ok. Entendez alors. Je mets le bafle. Là, je n'avais pas encore commencé le direct, hein. C'était juste l'introduction. Donc maintenant, oui, veut dire quoi? Je mets le bafle ou je ne mets pas le bafle? Parce que maintenant, on va entrer dans le but du direct, dans le sujet du direct. Nathalie Marcel, ma mère. J'ai besoin d'un procureur, parce que moi, depuis là, je ne l'ai pas clashé. J'ai fait l'introduction. Maintenant, on va analyser ses propres dits sur sa femme. Si je mens, vous pouvez répondre en commentaire que là, tu mens. Ah, vous entendez bien, donc je n'ai pas besoin du baf. Ok. Pourtant, sa femme pue, c'est de la magie. Donc, écoutons ensemble. La personne que tu as en face de toi. Donc, Facebook, entre parenthèses, Camerounais, a atteint le paroxysme du mal. Le paroxysme du mal. Et ça, c'est grave. Alors, je vais vous parler de la star Messon. J'aurais voulu qu'elle soit là à côté, mais bon, vous savez, on sort d'un voyage. Le week-end était très long, on sort d'Italie. On a passé le week-end du côté de Milan. C'était très beau. Beaucoup de soleil. Et comme j'ai pris rendez-vous avec vous, il fallait appuyer sur l'accélérateur pour être là un peu à l'heure. Donc, vous savez, le temps d'arriver, s'occuper des enfants. Vous savez, maintenant, il y en a trois. C'est pas évident. Elle est de l'autre côté. Elle s'occupe des enfants. Mais je crois qu'elle va, d'un moment à l'autre, nous rejoindre parce que le sujet la concerne un peu plus. Merci. Marie-Louise Barga, le général. Bisous à toi, big up à toi. Je vois ton combat, c'est bien. Vous avez vu sur la toile des petits malins. La fille de son père, Anne-Karine. Bisous à toi, Pamela. Bisous, bisous, bisous. Ben, excusez-moi, je vais parler. Je pourrais pas faire les big up à tout le monde, mais vous êtes ma famille. Vous qui êtes là, même s'il y a des intrus qui sont là, ce soir, vous allez devenir la famille Messon. Je vais vous exorciser ce démon que vous avez en vous. Ah, vous pas de baffle. Connecté là, qui me regardez en fait. Vous me fatiguez, il faut vous décider. Hein. Qui ne supportez pas la vérité, vous allez commencer dès ce soir. Dès ce soir, vous allez commencer à supporter et à dire la vérité. Et à dire des choses qui ne sont pas bien. Voilà. Donc, je vais parler de la star Messon, qui est ma femme, comme vous le savez. La star Messon, qui est ma femme. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Elle est l'objet, depuis un moment, de beaucoup, 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 beaucoup de choses. De diffamation, de publication immorale. Je dirais pas lynchage parce que, en fait, ça ne nous touche pas. Ça touche plus vous qui êtes là en face de moi. Parce que vous savez qu'il aime trop bavarder, donc il faut forcément l'écouter. Le meilleur à venir. Parce que vous avez. Il y en a qui ont eu très très mal. Il y en a qui ont dit c'est pas possible.
Voilà. Il y en a.